Daniel Riolo nous fait comprendre que Barcola n'a rien à faire au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur le propos de Daniel Riolo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les amis, est-ce que Barcola a réellement sa place au PSG? Parce que lorsqu'on voit son poste à Kylian Mbappé, on sait que Kylian Mbappé se blesse rarement. D'où la question, qu'est-ce qu'il vient faire au PSG? De l'autre côté, tu as Dembélé, mais tu as également Marco Asensio qui peut jouer là-bas. Donc, Barcola, c'est au moins le quatrième choix, quatrième, cinquième choix. Sans compter que tu as Colomoni qui arrive. Barcola, franchement, on se pose la question. Qu'est-ce qui vient vraiment faire au PSG? Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Si tu as une réponse, dis-le-moi. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.